Bonjour à tous et à toutes, c'est Cage et bienvenue pour le 11e épisode de Death Stranding. Donc on s'est arrêté sur encore une livraison et on va continuer hein, parce qu'on est un peu le livreur de l'extrême, on pourrait presque l'appeler l'Amazon de l'extrême. Donc on va pas perdre de temps, hein. C'est parti, let's go. Mon petit Sam. Sam Border Bridge. Ok, alors, intégrer la ville relais portuaire au réseau Kiral. Je crois que c'est la dernière ville, et comme ça, je crois que tout le réseau a été rétabli, si je ne dis pas de bêtises. Ça, je sais ce que c'est. Mais on va ramasser. Alors. Commande pour Sam. Ouais, allez, on y go. Oui, on va te livrer. Ça, c'est une poche de transfusion avec du sang prélevé sur vous. Lorsque vous vous en équiperez, elle reconstituera vos réserves. Ok. D'accord. Sam, c'est la première fois que nous tentons de développer une arme destinée à combattre les échoués. Je n'ai pas eu beaucoup de temps et j'ai dû faire avec les moyens du bord, alors en gros, ce sont des grenades améliorées. Attention cependant, on n'a pas dépassé le stade de la théorie pour le moment, puisqu'elles n'ont encore jamais été testées sur le terrain. Qui sait, avec un peu de chance, vous serez peut-être le premier à tuer un échoué, et ce serait un événement de taille, vous croyez pas? Attention, même si elles fonctionnaient correctement, n'oubliez pas que c'est votre sang qui les alimente. Donc si vous veniez à en abuser, c'est l'anémie qui vous attend. Donc, on a des poches de sang et des grenades hématiques, donc des grenades vampires. Ok, bah let's go. Hein. Bah, tout porter, de toute façon. Voilà. Et voilà. Et voilà. Oula. Et voilà. On range tout, voilà. Ah, celui-là est déjà utilisé. Alors, ce qu'on peut faire, c'est partir, ouais. Allez. Ça va, tu portes que 71 kilos. Commande attribuée. Non, c'était le spray colmatant. On va le déposer. Voilà. Sam, ça vous dit d'effectuer une expérience avec les grenades hématiques? Ça peut valoir la peine. Non, j'ai pas envie d'attaquer des baleines vampires. Non, ça va aller. Non, très clairement. Alors par contre je voudrais les mettre. Alors on est équipé, disposé, d'accord. On a le spray colmatant. On a du spray colmatant, on a les grenades hématiques. Alors par contre je voudrais juste voir un truc. Ok, mail donné, on s'en verra ça plus tard. Hop, je vous ouvre les emails. Vous faites pause hein, sur la vidéo. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je voulais gérer la marchandise. C'est-à-dire spray colmatant, ok. Mais j'ai pas des. Oui, voilà, c'est des poches de sang. On va les accrocher à la combinaison. Accrocher à la hanche gauche. Voilà. Les sprays colmatants, on peut. Non, c'est bon. Hop, on peut y aller. Alors, on va juste prendre. J'ai ça, spray colmatant, grenade hématique, uriné. Bon.
Alors, on doit aller où? On doit aller. Ah oui, quand même. Ouais, d'accord. On fait juste, on traverse la carte, quoi. Ok. Bon, bah déjà premier arrêt. Où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on pourrait passer? Si on passe par là, on va se faire démonter la tête. Si on passe par là, bah en fait, on va premier repère ici. Hein. Hop, tracer l'itinéraire. Hop, c'est parti. Alors, on n'a pas un véhicule, on n'a pas quelque chose, ce serait peut-être plus simple en véhicule, non? Oh, il commence pas déjà à tomber. Alors, attends. Voilà. Normalement dans le repère. Mais t'inquiète pas, je peux utiliser d'armes. Ah d'accord, le repère il se... Ok, je vois, je vois. Je vois les traits. Ah, on doit aller à l'autre bout de la planète. Ah ouais. Bon, ça c'est sûr qu'on va se taper des échoués, toute la clique, vous inquiétez pas, on va utiliser des poches de sang, des trucs. Alors là, je pense que ça va être l'épisode, je vais l'appeler Vampire. Hein, parce que ça c'est sûr et certain, on va se faire attaquer. Ça c'est. Bah ouais, il a 70 kilos quoi, donc il peut pas courir. Puis là en plus il va devoir monter. Vas-y mon petit. Allez Sam, allez. Ouais, toujours plus haut, toujours plus. Oula. Attention. Attention, ne tombe pas. Sam, avoir le Dooms vous donne des avantages que la plupart des autres n'ont pas. Quelles que soient vos aptitudes, vous faites partie de Bridges désormais. Notre organisation regorge d'experts talentueux dans de nombreux domaines, et ils sont tous prêts à mettre leurs compétences à votre service. L'équipe est là pour vous, Sam. Il suffit juste de demander. D'accord? Ok. Bébé, tu te calmes. Allez, 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 ça pue. Ouf, parfait. Wow, voilà, c'est passé. Ah, je peux pas vraiment courir à fond, quoi. Ah oui, il était dans l'eau, oui, parce que l'eau était assez profonde. D'accord, c'est pour ça qu'il pleurnichait. D'accord. Désolé bébé. Le problème c'est que je peux pas me dire que je vais vous entre guillemets couper la séquence, tout ça, etc. Parce que si je vais on sait jamais attaquer par les mules ou par les échoués. Bah vous allez rater tout en fait, l'essentiel limite l'action du jeu. Donc voilà quoi. Après je sais que ce jeu divise hein, parce qu'il a un rythme extrêmement lent par rapport à tous les jeux qui sortent maintenant. Hein. C'est un rythme très rapide, voire même trop rapide. Mais moi j'aime bien, franchement, je le joue tranquillement, petit à petit. Voilà quoi. Donc là après il faudra monter en haut, ok. On va faire étape par étape, hein, de toute façon. On va pas tenter d'aller d'un trait, c'est impossible. On va sûrement se prendre très très cher. Donc, comme on dit, autant y aller petit à petit. L'oiseau fait son nid. Voilà, c'est une magnifique expression.
En même temps, un oiseau, bah, il peut pas faire grand chose qu'un nid en fait. Ah, je pensais que c'était d'accord. Alors. On va pas s'embêter, on va faire un petit tour. Hein. Attention, voilà. Oh oh. Il va pleuvoir. Ah, te coince pas mon ami. Ah nickel, il y a une corde. Allez, yes. Il y avait une échelle? Ah ouais, le mec il a mis une corde. Oh putain, c'est un génie. C'est un génie, non? Ouais, c'est plutôt bien fait la corde. Allez, allez, allez. Et hop là. Oh, oh là, oh là. Où ça, tu peux lâcher la corde? Peut-être, par contre, faudrait peut-être mettre la corde dans l'autre sens en fait. Pas très grave. Allez. Alors attendez, on va faire un petit. Putain, mais ta gueule. Ta gueule, ça. Allez. Voilà, c'est vraiment le colis de l'extrême, quoi. Parce qu'on va à l'autre bout. C'est chaud, quoi. Allez. Allez. Bonjour Sam Porter Bridges. Salut. Attention, attention, attention. Oulala, 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 non, 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 il fallait pas. Oh, je suis dans la merde. Je suis dans le caca. Bravo. Ah non, en fait, il a avancé et j'ai pas pu. Mais il y avait une corde? Ah merde, il y avait. Non, il y avait une échelle. Il n'y avait pas de corde. Bon, en tout cas, on est arrivé déjà au. On est déjà arrivé au premier point. C'était ici. Donc pour l'instant, on est bien. Il n'y a pas un pont hein, comme ce genre, non? Ah. D'accord, donc il y a un mec qui a mis un pont pour dans la même direction. Ok, bon pourquoi pas après tout, hein, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas l'air d'avoir de pont, malheureusement. C'était pas folichon d'avoir fait un pont ici, mais bon. Ça t'en fait pas un là comme ça en fait, tu vois. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il récupère son endurance pour pouvoir passer tranquillement dans l'eau. Alors, ce qu'on va faire, par contre, c'est que je vais utiliser un spray colmatant. Alors, je sais que c'est L2. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas pour les cheveux. Hein. Voilà, c'est pour l'équipement qui a été abîmé. Faudra un pont ici, ce serait parfait. C'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Vas-y, tiens, 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 tiens. Oui, il a tenu. Bah, deuxième cours d'eau, on va attendre un peu. Oh oui, c'est pas passé loin, mon ami. Et on a intérêt de se speeder parce que ouais, le temps commence à se gâter.
Allez, allez, allez. Oula, l'eau. Ah oui, l'eau est profonde. Oulala. Bébé, on se calme. On se calme. C'était plus que limite. Tu m'étonnes. Ah là, j'ai lâché un petit like. Allez. Pour l'instant, ça va, on est arrivé à la première partie. Okay, calme-toi. Première partie réussie. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Armes détectées. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandise confirmée. Merci. Alors, faire une livraison. Voilà. Bon, j'ai gagné qu'un level, hein. C'est pas non plus la folie. Bon, très bien. Merci pour tout. Au travail, nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Non, on a une commande principale à aller faire et à l'autre bout de la planète. Elle a quand même encore 60 kilos hein, sur le dos. Alors. Donc on est arrivé ici. Et on doit aller... Eh ben on va aller... Bah ouais... Dans tous les cas on va devoir passer par... Ah oui, on va devoir passer en fait par les... Alors on a effacé tous les repères. Alors, on va donc aller de ici... Jusqu'à... Bah ici. Voilà, repère numéro 2. Sachant que un repère nous a pris à peu près 15 minutes, si on n'a pas trop de problèmes, tout dépendra de tout ce qui est en face, hein, échouer toute la clique. Ça risque de nous prendre un peu de temps. C'est pas passé, moi. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais lui donner. Ouais, il va boire un peu de Monster, ça va lui faire du bien. Voilà. Énergie remontée à full. On va en avoir besoin si on doit traverser des échoués et toute la clique. Hein. Bah, les échoués, de toute façon, dans tous les cas, que vous fassiez, que vous passiez en mode discret ou dans tous les cas, ils vous démontent. Donc, Allez, mon petit Sam. Je me souviens que c'est là que j'avais commencé à avoir des, la première fois vraiment des ennuis avec les. Les mules. Non, pas de mules à l'horizon. Plutôt cool. Et au niveau du sang, je suis à 800 et quelques. Bon. Qui dit la pluie dit évader. Pourquoi je dis évader moi? Qui dit la pluie dit des emmerdes. Je pense les grosses emmerdes. On va pas utiliser pour l'instant les poches de sang. Allez, on accélère. En tout cas, Sam, c'est quand même le seul mec, franchement, qui arrive à l'heure, qui arrive à poser ses colis correctement, qui les lâche pas bizarrement. Franchement, je pense que pour tous ceux qui sont livreurs, je respecte hein, parce que c'est pas un métier facile, vous devriez prendre exemple. Oh nice, une moto.
Ah, ça fait plaisir. Ouais, bah ça fait plaisir. Bah ça fait plaisir qu'il y a quelques secondes, quoi. Pourquoi il veut pas démarrer? Ah oui, j'avais oublié. Ah oui, c'est R2. J'avais oublié comment il fallait faire rouler les véhicules derrière. C'est pour ça. Attention. Ça pue, ça sent mauvais. On fait attention. Ok. Alors, ouvrir la TH et sélectionner les grenades hématiques. Alors. J'ai les grenades hématiques, j'ai ce qu'il faut. Ce qu'on va prendre, c'est on va prendre déjà ça. Et on va sélectionner les grenades hématiques. Quoique je pense que non. Non, on va y aller à pied parce qu'on va mourir. Voilà. Nous échouer. It's time. Comment on fait pour déjà si... Ok. Oula, par contre, faut qu'on fasse gaffe parce que j'avais pas vu que la transfusion. Ouais. Ouais, mais par contre, il va. Ce con. Bah oui. Mais quel idiot. Ah merde. Bon, ça a l'air d'être efficace, hein, cette merde. Et merde. Casse-toi. Non, mais c'est pas possible. Ah, le retour de du requin baleine. Là, il faut se casser. Hein. Oui, je sais, mon petit. Je sais. Mais là, il faut se casser. Allez, monte. Alors, pour tous ceux qui voient, c'est ultra sombre, hein, mais c'est le jeu qui est comme ça. LOL. Oula, par contre il m'a mis dans... Oula. Mais c'est ultra efficace. Bon bah déjà bonne nouvelle. C'est ultra efficace. Mauvaise nouvelle, c'est qu'on est en... Bon, on est dans la merde. Hein. Mon bébé il va être dans la merde, donc lui on va devoir le reposer. Alors attendez, il faut que je gère la marchandise. Alors, c'est une case vide que vous avez là, je me trompe? N'hésitez pas à déposer ce genre de choses à Bridges. Vous n'en avez pas l'utilité, mais nous, si. Ok. Bah, on va prendre à la main parce que là. Prendre à la main. Prendre dans la main.
Ah, quantité restante, 0. On va décharger en fait. Hop, voilà. Et porter sur le dos. Et confirmer. On va en avoir besoin. Cool, on peut courir. Par contre, il faut qu'on récupère tout le matériel parce qu'on l'a perdu, mais je ne sais pas où. Il me faut. Alors, uriner, je pense que ça fait rien. Ah, il faut qu'il pisse. Oh merde, bah va pisser alors. Ah, bah on va uriner, allez. Bah pisse. Pauvre ça. Si tu t'es pissé dessus. Très clairement tu t'es pissé dessus. Mais je voulais le faire aussi. Très clairement, je voulais que tu te pisses dessus. Alors, utilisez 2 pour vous préparer et R2 pour vous uriner. Ok. Bah pisse. J'en pouvais plus. Ah non, il s'est pas uriné dessus. Oh merde. Ah merde, je suis obligé de. Attends, on va le vider jusqu'au bout, hein. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Alors, L2. R2. Oui, encore, oui, oui, je. Ça soulage. Oui, je vois ça. Ah, le bébé remonte à. C'est cool. Et puis, il va plus être en. J'oublie le nom. Allez. Allez, on va tenter de faire un 3-6. Allez. Ça soulage. Et stop dans. Voilà. T'as plus rien. Là t'es vide, hein, mon ami. Bon, par contre, il faut qu'on récupère les marchandises. Ah, elles sont là. Parce que c'est bien beau de faire pipi, mais pour l'instant, nos marchandises, voilà quoi. Hein. Hop, on récupère tout ça. Est-ce qu'il y en a une autre encore de. Non. Oh la vache. Oui. Bah bonne nouvelle, les grenades sont efficaces. Parce que je l'ai touché une fois le dauphin baleine là. Et bah écoute, ça a l'air de faire son effet, donc bon, maintenant on va se remettre en mode, voilà, c'est bon, hein. Et il va boire un peu. Par contre, ouais, niveau de consommation, on est chaud, hein. On est short. Il faudrait qu'on refasse un peu de, voilà, quoi. Ah oui, autre chose, on va utiliser un spray colmatant. C'est vraiment un jeu de gestion de livraison. Parfait, tout est remis à neuf. Voilà. Ah ben, ce qu'on va y faire, c'est enlever. Et hop, on va faire ça. Alors, gérer la marchandise. Et on va jeter. Alors, ils auraient pu mettre une poubelle hein, quand même dans le jeu, ça aurait été cool. Bon, malheureusement, c'est pas le cas. Poche de sang, il nous en faudra par contre. Hein. Ouais, parce que si on doit affronter les échoués, il va nous en falloir. Par contre, on a le poids nécessaire pour courir et s'amuser. Ah,
Alors, on devait aller où? Parce que nous, on sait... Ah non, on est dans le bon chemin. Alors, on a juste à traverser ici. Non, mais non, mais qu'est-ce qu'il est con. Et là, on prend le pont. J'avais dit quoi? J'avais dit que ça aurait été quoi la grenade vampire? J'avais dit quoi la grenade vampire? Je me souviens plus ce que j'avais dit comme titre. Bon, je pense que je vais changer. Je vais l'appeler Les aventures d'une livraison ou le destin d'une livraison. Ben ça m'en fait. Lancement du scan. Ah mais il y a une moto là non? Vérification de l'identifiant. Ah bah oui, là j'ai mis un truc. Oui, ça va. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Accès autorisé. Alors le bébé ça a l'air d'aller. Je vais faire juste des sprays colmatants et voilà, parce que le bébé il a l'air de remonter petit à petit. Donc c'est cool. Non, c'est pas accepté du commande, c'est fabriquer un objet. On va fabriquer des poches de sang, on va en fabriquer 3 parce qu'il nous en faut. Et on va fabriquer du spray, il nous en faut 2. Portée. Organisation automatique. Ouais. Je pourrais pas courir avec lui pour quelques kilos, je crois. Ça, je crois qu'au-dessous de 60, c'est bon. Ou au-dessous de 55, je sais plus. Alors, c'est parti, on y retourne mon petit bébé, on va pas se poser hein, mon cher ami. J'ai rajouté 5 kilos, hein. Enfin, ça change la donne. Faites bon voyage. Bon, le bébé petit à petit il s'est remis, donc ça c'est cool. Ensuite, on va aller où? Oui, bah t'inquiète pas, je m'accroche. Ah ouais... Bah en fait c'est des endroits que j'ai jamais fait donc ça va être long. Ouais, t'as quand même pratiquement 1800 bornes. Hein. On va essayer d'éviter de passer avec les face aux mules où on va tracer, mais de chez tracer. Se posait sur la vie après la mort. Mais quand nous avons appris l'existence de la grève, la mort est devenue une chose tangible, explorable. Les vivants se sont mis à parcourir les rivages de l'au-delà, tandis que des morts, des échoués, revenaient dans notre monde. Et puis le Dooms est apparu. Et avec lui, une myriade de théories avancées par des physiciens et des psychologues, avides d'expliquer ce nouveau mystère. Ces symptômes ont été méthodiquement analysés et classés en niveaux. Mais les rapatriés comme vous formaient une espèce unique, méritant sa propre catégorie. Les spécialistes ont dû se battre pour vous examiner. Je me demande ce qu'ils ont trouvé. Bah écoute, pour l'instant vous avez trouvé un... Oula. Pour l'instant, vous avez trouvé en tout cas une grenade qui fonctionne contre les échoués, donc ça c'est déjà pas mal. On peut vous féliciter, donc ça veut dire que mon sang est efficace contre eux. Parce que, ouais, il avait une jauge de vie, donc je pense qu'on peut le tuer. Donc on peut tuer les échoués, donc ça c'est déjà une très 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 bonne nouvelle. Et donc, de, si j'ai compris ton discours, c'est-à-dire que en fait, ceux qui vont
Je vais vulgariser tout ça. Hein. C'est-à-dire ceux qui vont en enfer reviennent d'entre les de l'enfer. Ceux qui vont au paradis vont au-delà du paradis. Peut-être que j'ai rien compris à ce que je viens de dire aussi. Hein. Vous inquiétez pas, ce ne sera pas non plus foufou quoi. Allez. Ok. Déjà, mon bébé, on se prépare. Hein. On va peut-être avoir Jean-Michel échoué avec nous. Hein. Oui, j'ai envie de l'appeler Jean-Michel échoué. D'accord. Oh, en plus, en pleine montée, non, mais t'es pas sérieux, ils vont pas nous attaquer en pleine montée. Ah ben si. Ah ben c'est con, ils vont pas se gêner. Putain de bordel de merde. Pas de temps. Ça pue parce que s'il nous attaque en pleine montée, mon bébé il est pas à fond. C'est peut-être un pari là ce que je fais. Hein. Alors, grenade hématique. Premier je vois, je lui mets dans la gueule. Il y a eu du monde qui est mal, qui est pas passé. Hein. On y va tout doucement. Je veux juste voir où on en est en fait. D'accord, donc on est sur le bon. D'accord, bon, c'était prévu. D'accord, donc il faut traverser tout ça. Non, mon bébé, calme-toi, calme-toi. C'est juste ce spray colmatin, ça va, c'est juste ce spray colmatin. On se casse. Allez, cours, 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 cours. C'est juste ce spray colmatin. Allez. Allez, allez, il faut courir. Mais non, mais je suis coincé, mais c'est pas vrai. Mais lâchez-moi, bande d'échoués de merde. Alors, on trace. Oh, j'ai plus de trucs. Allez, bois. De toute façon, il ne me reste plus que ça. Allez, 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 allez. C'est horrible. Non, 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 c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il faut se battre. On n'est pas loin. Je pense qu'on passe ça. Je vais utiliser une expression du Tour de France. On passe la malheur. Non, pourquoi je prends de la sang du sud-ouest alors que je sais pas le faire. Alors, là, il me faut construire. Non, c'est autre chose qu'il me faut. Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça. Et merde, j'ai pas ce qu'il faut. Il me faut. Je sais pas. Attends. Il me faut. Merde, il faut gérer la marchandise. Me dis pas que. Mais non. Jean-Michel Gogol, j'ai oublié de prendre des. Oh putain, quel con. Je fais comment alors? Je sens la merde. Ok, je le vois. On va prendre la grenade hématique au cas où. Allez, mais. Je l'ai vu. Allez, mon bébé. Non, 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 non.
Allez, allez, faut que je batte. Non. Oh putain. Non, mais. Bon, allez, c'est reparti. On se fait attaquer par Jean-Michel Baleine. Oh, 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 il m'emmène où là? Oh, il m'emmène où ce con? Il va pas me tuer ce débile. Je crois que ça lui fait pas plaisir qu'on l'attaque comme ça. Je sais pas si j'ai perdu un truc, je me casse. Allez, 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 bats-toi, bats-toi. Allez, 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 allez. Si j'ai perdu des trucs, je le récupérerai après. Là, il me suit, hein, ce con. Je sais même pas où je vais. Vas-y, moi je te fight, moi. Moi je suis une racaille, moi. Moi je suis une racaille d'Amazon, moi. Moi je suis un racazone, hein. Enfin, toi qui était plus fort. Non, j'ai rien dit, je déconne, je rigole. Oh putain, il est derrière moi ce con, il est derrière moi ce débile. Allez, mais monte, bordel. Mais non. Je vais lui lancer la grenade alors que j'ai juste à le tracer. Allez. Allez, celle-là, le peu du S. Allez. À la belle petite montagne. Allez. Mon bébé latin de la peau. Mix. On s'en fout. Prévisible. Alors, il faut voir qu'est-ce que j'ai perdu. Parce qu'il m'a emmené tellement loin que j'ai dû forcément perdre quelque chose. C'est pas possible. Wow, tout doux. Alors, on se calme. Gérer la marchandise. Alors, j'ai rien perdu de tout ça. Utiliser. Grenade des accords. J'ai rien perdu? Si, j'ai perdu un truc, c'est pas possible. C'est une blague. Tu vas me dire que j'ai absolument rien perdu. Station. Pourtant, il m'a emmené tellement loin. En même temps, il m'a emmené où? Parce que. Bon, en fait, ouais, non, il m'a pas emmené dans le bon sens. En fait, ce coup. Ouais, d'accord, en fait, j'ai compris. Allez, je vais juste voir si j'ai vraiment rien oublié. Waouh! Calme ta joie tout de suite, ça me porte. Ok. Non. Bah je crois que j'ai rien perdu. Hein. Bon, ce qu'on va faire, on va prendre un spray. Ouais, on va utiliser ça. J'ai pas des sprays colmatants. Dis-moi que j'ai des sprays. Prendre à la. Alors attends, ce qu'on va faire. Est-ce qu'il peut pas réorganiser ça? Suspendre le porte-outil. Voilà. Voilà, c'est bon. On en a besoin. Alors, il ouvre mon spray. Il est ici. Parfait. Dans l'autre sens. J'utilise à fond. Hein. Comme ça. Hop. On peut le foutre à la poubelle. Décharger et lui décharger et non porter, voilà. Allez, on se trace. Bah, au final je pensais que j'avais perdu des trucs, mais pas du tout. Par contre je vois où on en est.
Alors il nous a fait faire un détour ce truc à la con. Cette baleine pioche, je sais pas quoi de les deux. Alors, on va faire attention Sam parce que ton bébé n'a plus rien. Alors, on a intérêt à se casser. Quoique je pense qu'il faut peut-être continuer là-haut. Et peut-être après la fin tourner. On va peut-être remonter là où nous en est. Et à la fin je pense qu'il faut tourner, il faut prendre un chemin. Allez, 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 allez. Ah, je sais, je suis fatigué, mais il faut qu'il tienne encore. Est-ce qu'il a de quoi boire un coup encore ou pas? Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus de, j'ai plus d'eau, j'ai plus rien. Mon bébé, il a une autotoxémie. Là, j'ai vraiment poussé au max. Hein. Le chemin qu'ils nous font faire aussi, c'est un délire. Ouais, en tout cas, quand on lui ouvre, bah, il n'aime pas. Hein. On est déjà pratiquement, on a déjà 46 minutes de vidéo. Donc, bah, on fait au plus vite. Allez, allez, allez. On est presque arrivé, mon petit Sam Porter. On est, ouais, on est vraiment proche. Allez, Sam. Allez. Courage, c'est le dernier réseau. On le voit, il est en face de nous. Oh non. C'est pas ce que je crois. Ah non, c'est cool.
On est arrivé. On est à 50 minutes. On a pris 50 minutes pour arriver là-bas. Mais Dieu sait que c'était dur. Pauvre bébé, il est en autotoxémie. Sam, il est au bord du chaos. Enfin, du repos conseillé. À chaque truc, je fais des repos. Hein. Allez. J'étais tout livré. Regardez l'état de Sam, quoi. Mec, j'ai affronté deux fois les échoués, j'ai affronté deux baleines, j'ai affronté une baleine qui m'a envoyé 50 mètres, une autre qui m'a fait faire, je sais pas, 150 mètres. C'était chaud, c'était hot. Alors, s'il te plaît, respect. 6 km. De toute façon, là, ça servait pratiquement à rien d'avoir de la moto ou quoi que ce soit, parce qu'au bout d'un moment, j'étais coincé. Parce que si j'avais la moto et que le truc, il m'aurait envoyé l'autre bout, donc voilà. J'ai fait rang A. Mais t'es pas sérieux. Mais va te faire, quoi. Eh là, on touche les 50, là. Oh. Oh, oh, oh. Alors on a 50. 51, ça c'est cool ça. Bagagiste stable. Alors t'es là pour nous faire entrer dans l'air qui râle, un truc dans le genre? C'est ça. Ça te dit? Ah ouais, vas-y. Ça fait un sacré bail que j'apprends ça. Ok. D'accord, ville relais pour tueur, d'accord, ok, pas de problème. D'accord. Ok. Attends. D'où tu sens ça? Ce petit truc là. C'est le même que le mien? Où tu l'as eu, là? Ça, je sais pas trop. Mais il était déjà attaché là, si tu tiens le savoir. Et d'où tu sors cette capsule? Je la tiens d'Igor, l'incinérateur mortuaire. C'est mon petit frère. Alors quoi? Il t'en a donné un, comme ça. Pourquoi? J'étais là-bas avec lui, à la fin. On déplaçait un corps et ça a mal tourné. Il y avait des échoués partout. Et l'un d'eux l'a attrapé. Il m'a dit de le prendre et de filer. D'accord. Alors c'est quoi ton histoire? Tu survis à une catastrophe pareille et tu continues à faire le même taf? Ok. Eh, livreur Amazon jusqu'au bout, mec, hein. Tôt ou tard, j'imagine. Surtout, occupe-t'en bien. Sa place est avec l'expédition, avec toi. D'accord. Tu ferais mieux d'emporter ça, je pense. Je vois pas à qui ça pourrait être plus utile qu'à toi. Ah.
Et c'est Ok. Ok, on prend tout, hein. On prend tout, tout, tout. Hop, hop, hop. Ok. On prend ça. On prend ça. Devient une cible plus importante pour les terroristes. Mais nous devons accepter les dangers et avancer, quoi qu'il en coûte. Le reste de l'Amérique t'attend, Sam. Il attend que tu fasses le premier pas et que tu le connectes au réseau Kiral. Je sais que tu peux les atteindre. Rends-nous notre intégrité. Merci. Une ville de plus dans les villes unies, hein? Alors, tu veux traverser le lac et continuer vers l'ouest? Ouais. On a un bateau? Non. Pas depuis des années. Les terroristes ont pris toutes les embarcations de Bridges. Le seul bateau de la ville appartient à un messager privé. Un messager privé? Me dis rien. Fragile Express? C'est bien ça. J'ai discuté avec leur agent. Ils chargent une partie de l'équipement que tu nous as apporté sur leur bateau. Oh, je parie que les gars du relais du lac vont adorer voir quelqu'un accosté dans leur port. Ça doit faire longtemps qu'ils n'ont pas vu ça. Descends au port quand tu seras prêt. C'est juste à côté du centre de district. C'est pas loin de la cafette, c'est à 100 mètres. Plus jamais au relais portuaire. D'ailleurs, il y a même un grec qui a ouvert la porte. N'hésite pas à te reposer dans ta chambre avant de partir. T'inquiète pas, je vais faire une bonne sieste. Je vais me remplir de Monster toute la clique, t'inquiète. Ça, c'est un livreur Amazon de l'extrême. Après son collier à livrer. Ça, c'est fort. Ouais, dans quel état ils sont. Mais bon, bref. Enfin, on va s'arrêter ici pour le 11e épisode de Death Stranding. Donc, lâche un petit like, un petit pouce bleu, un com. Abonne-toi, ça ne coûte rien. Mais vraiment rien du tout. Ça prend que tu fais un petit clic et après tu me rends heureux. Tu t'imagines? Un clic heureux. Extraordinaire. Et c'est aussi bien pour le like. Et aussi bien pour le pouce bleu, pour le com. C'est pareil. Active les notifs, comme ça tu vas absolument louper que dalle. Mais vraiment, quand je te dis que dalle, c'est du vraiment que dalle. Oui, bah, tu me laisses finir s'il te plaît. Tu vas aller prendre ta douche après. Hein? Non, mais il faudra prendre tout ici. On se calme, Sam. Je te mets un coup de tête. Fais attention. Fais attention. Baisse les yeux. Voilà. Donc là, voilà, on va arriver à pratiquement une heure de vidéo. Donc surtout, si vous n'arrivez pas à regarder tout en entier, c'est pas grave, c'est normal. Prenez votre temps, regardez en 1, 2, 3, 4 morceaux. Il n'y a pas de souci. Voilà quoi. Regardez en 3, 4 fois. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Je vais vous laisser. C'était Cage. Bisous, à bientôt. Bye!